qu'elle soit morte. Même les Romains, ils parlaient grec. Si tu veux savoir où est la voiture, t'as intérêt à me filer du gros, mec. Gros genre Jimmy Siska et Nelly Shire ? Ils couchent ensemble ? Je le savais. Voilà, ça c'est du sérieux. Compte sur moi. Cool. Super cool. Ok, je t'ai envoyé l'itinéraire GPS de la voiture. Activation. Vérification du système. Trop cool! C'est parti! À toutes les unités, on recherche un véhicule volé au studio de cinéma. À toutes les unités, demande de centrale à patrouille. Présence de suspects potentiels. Coupez-lui la route de l'autre côté. Tu sens bien le fast, là? Moi, je sens le furieux, surtout! Autorisé à conduire ce véhicule. Ah ouais? Bah je m'autorise là, t'as vu? Range, t'as entendu ça? Elle parle, la bagnole! Bien reçu. Une voiture de patrouille se dirige vers la position du suspect. Centrale, vous pouvez vérifier un truc? Il tourne un film ou quoi? On va lui bloquer la route. Attention, plusieurs unités sont dans la position du suspect. Ah!
Votre visage est trop sombre pour mes capteurs. Hey, bitch, je suis black et je suis fier, moi. Dis plutôt à tes capteurs de se recalibrer. Aucune référence pour black. Ça m'étonne pas. Une voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Préparez-vous à traverser une zone de turbulence. Accroche-toi bien au siège, Devon. Toi et moi, nous allons enflammer les rues. Hey, c'est dans le film de Siska, ça, non? Hey, Range, t'as entendu ça? J'ai grave de la nitro dans mon carburant. Attends, quoi? La bagnole vient juste de sortir une réplique du film. Ouais. Oh, c'est pas possible, c'est trop cool. Ok, c'est bon. On se retrouve au garage. Ça va, pas de soucis. Mon nom, c'est Devon von Devon, biatch. Vous n'êtes pas Devon. Devon von Devon est sexy et bronzé. Et pas vous. Ah, oh, déconne pas. Je suis quand même carrément plus bronzé qu'un mec qui s'appelle von Devon. Ils ont même pas pensé à un capteur pour Black chez Galilei. Mes créateurs ont vraiment pensé à tout. Bah, apparemment pas, non?
Non mais sérieux, cette bagnole, c'est un truc de fou. Galilei s'est bien démerdé en faisant payer ce machin au studio. Ce machin, tu l'as entendu parler? Non. Ça va au-delà de la reconnaissance vocale. Ok, les procédures de script sont améliorables, mais les réponses sont ultra pertinentes. T'imagines tout le boulot que ça a dû représenter? Galilei parlait d'apprentissage artificiel pour leur sonde martienne, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi avancés. Quoi? Oh merde! C'était toi! Je n'approuve pas que vous me conduisiez, Marcus. Vous n'êtes pas aussi bronzé que Devon Von Devon. Ouais, trop de punchlines pour une voiture qui parle. Wouh! Toute belle et toute brillante. Donc en fait, elle parle pas? Bah, elle fait... Ça compte, ça? Tu sais quoi? Pas chier, en fait. La voiture est conçue pour des commandes autonomes, mais... Il n'y a rien de programmé ou de calibré. Il y a du potentiel, mais c'est pas optimisé. Pas mal. Ah, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser. Positif. Non, elle est juste débile. Alors c'est ça le plan? Réparer une smart car qu'une agence spatiale a foiré? C'est un problème? Non, je m'en occupe.